What do you say to the new president of the European Parliament? Two years after the Catalan referendum, we are here defending the same goal, to achieve our process for independence. More than 2.3 million people voted in that referendum 2 years ago. Some authorities, Spain mainly, denies that referendum, saying there was no independent electoral authority, there was no official register of voters, there was not participation the political forces against the independence. And ya garantizar que usted va a seguir la sentencia aquí en Bruselas. Passaran els anys, passaran els governs i caducaran els reis, però en la memòria dels catalans i les catalanes es conservarà intacta la dignitat d'haver fet possible un dia històric i transcendent i la indignació per la resposta violenta, la resposta intransigent de tots els aparells de l'Estat que van pensar que podien impedir el que, de fet, no es podia evitar de cap manera. J'ai dit depuis toujours, est-ce que l'indépendance c'est la seule option? Pas du tout. Il y a des autres, bien sûr. Et peut-être d'entre elles, les modèles suisses, c'est peut-être le plus efficace et le plus attractif, peut-être. Mais il s'agit d'utiliser un chemin qui a été prévu pour l'Union européenne pour donner aux citoyens européens un pouvoir qu'on veut exercer. Le pouvoir de, si finalement, les États, les institutions européennes ne sont pas suffisants pour défendre les droits fondamentaux, la démocratie, c'est l'heure du citoyen. Et donc tous ceux qui croient au pouvoir, qui croient au pouvoir des citoyens pour défendre la démocratie, les valeurs fondamentaux, c'est le moment d'agir et c'est le moment de montrer la puissance de cette utile que l'Union européenne elle-même nous reconnaît. Que estamos todos detrás suyo, ayudándoles, porque están sufriendo una situación tremendamente injusta, humillante, de escarnio. No es un acto de justicia el juicio, no va a ser un acto de justicia, es un acto de venganza y de escarmiento para generaciones futuras. Okay. Esto es imposible en España. En España, ni el PSOE.